Bonjour, je m'appelle Carmen Lansdowne, modératrice de l'Église unie du Canada. Plusieurs personnes au sein de notre Église ont pris le temps de m'écrire, d'écrire au secrétaire général ou à l'exécutif du conseil général pour nous demander d'agir au nom du paix juste et durable au Moyen-Orient. Le but de ce message n'est pas de discuter en détail du conflit entre l'État d'Israël et le peuple palestinien, mais de prendre un moment pour réfléchir ensemble à la manière dont nous défendons une cause politique en tant qu'Église. Nous recevons souvent des invitations et des demandes pour faire quelque chose au nom de la justice et de notre foi chrétienne. Et nous agissons souvent. Vous pouvez consulter le site web de l'Église unie pour voir la liste des actions que nous avons faites concernant cette crise depuis le 7 octobre. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo diffusée sur YouTube. En avril dernier, je me suis rendue à Ottawa avec des responsables d'églises luthériennes évangéliques, anglicanes et presbytériennes du Canada pour souligner l'importance de la situation qui s'empire en Terre Sainte. Nous avons demandé aux députés de prendre au sérieux les préoccupations des gens en Palestine qui vivent une oppression de plus en plus forte dans les territoires occupés. Nous avons insisté sur l'engagement politique et diplomatique du Canada en faveur d'une paix juste et durable pour toutes et tous en Terre Sainte. Les personnes que nous avons rencontrées à Ottawa nous ont dit deux choses. La première, c'est que les actions menées ensemble ont plus d'effet que lorsque nous agissons seuls, ce qui est conforme à notre volonté de réparer le monde. Nous joignons donc notre voix à celle d'autres églises et des partenaires comme Kairos Canada, le Conseil canadien des églises, le Conseil œcuménique des églises et bien d'autres. La deuxième, c'est que plus les gens sont nombreux à écrire à leurs députés, plus l'impact est grand. Il ne me suffit pas d'écrire une lettre au nom de l'Église unie du Canada. Chaque membre de l'Église qui se soucie dans la crise humanitaire et souhaite une paix durable et juste dans la région devrait écrire à son député. Nous avons l'habitude de confier la tâche au bureau de la modératrice, du secrétaire général et au personnel de l'Église qui rédige des documents et des déclarations pertinentes. Mais vous pouvez aussi écrire et j'espère que vous le ferez et que vous direz votre appartenance à l'Église unie dans votre lettre. Nous avons mis à votre disposition un outil pour faire valoir votre opinion dans notre site web. Il s'agit du texte d'une lettre adressée à votre député. Il vous suffit d'ajouter votre nom et votre adresse. Le lien vers cet outil se trouve dans la description de cette vidéo. La lettre sera envoyée par courriel à votre député en fonction de votre code postal et à l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères. Il est important que vous preniez le temps de modifier la lettre pour qu'elle exprime votre opinion, elle devient unique et ne sera pas ignorée et rejetée. Le gouvernement du Canada ne croit pas qu'une lettre de moi ou du secrétaire général représente chacun d'entre vous. Et il nous invite à lui dire de 300 000 façons différentes ce que nous pensons des questions politiques. Vous pouvez également envoyer une lettre postale à votre député et à la ministre Joly. Comme dans beaucoup d'autres situations, nous avons lancé un appel d'urgence pour une aide financière pour nos partenaires qui répondent à cette crise humanitaire. Nous avons besoin de votre aide de toute urgence. Veuillez prendre quelques minutes pour soutenir l'Alliance ACT et les partenaires de missions et services en Palestine et en Israël qui répondent aux besoins urgents des civils dans la région. Le lien dans la description de cette vidéo vous conduira à notre page de ressources pour prier, donner et agir. Vous pourrez faire entendre votre voix auprès du gouvernement du Canada concernant la crise actuelle
et faire un don en réponse à cette situation d'urgence pour nous aider à la population civile. La paix et la liberté des populations israéliennes et palestiniennes sont liées. Nous devons montrer au gouvernement du Canada que nous nous soucions de nos frères et sœurs du monde entier et des communautés diasporiques qui vivent ici au Canada. La lutte pour une paix juste se poursuivra jusqu'à ce que tous les gens dans cette région puissent enfin vivre librement. Joignez votre voix à la mienne et prenez le temps d'écrire à votre député et à la ministre des Affaires étrangères.